Cube, on est parti pour le nouveau solo récit de guerre. Cher tigre. Parti. Tigres. 50 000. Fin du live. What happened? Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Je suis en train de pleurer là. Dass wir Nachschub kriegen und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten. On se croirait dans Fury version allemande. Der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streuner und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrauen auf unser Steck. Vertrauen auf Deutschland. Vertrauen auf uns. Und? Los geht's! Le mec, on dirait les mecs nuls en matchmaking qui tag et essayent de monter master. Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Tiens, y'a pas de salut. Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1.
vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken... Ei, les amis. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, dein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Il y a des choses de toute façon qui sont interdites sur les jeux vidéo, hein, comme les drapeaux, et je pense que le salut en fait partie aussi. Donc les amis, on est dans un char tigre avec Peter Muller. Nous nous battons enfin contre... Du coup c'est des Américains, hein, pour ça. C'est beau quand même. Je sais pas si c'est le premier jeu où tu fais des missions allemand, côté allemand. Geladen und bereit. Das sind unsere Leute da drüben. Wir müssen ihnen helfen. Achtet auf die Gebäude. Infanterie um 12 Uhr. MG-Feuer eröffnet. Merci beaucoup. Nein. Ok, je viens de voir. Behalten Sie die Fenster da im Auge. Ja. Unsere Lenkung fällt gleich aus. Ça va être autre chose là. Retournez dans la zone, ok. Ouais, ça va être tout autre chose. En difficile, je pense, les tanks là. So schnell es geht. Ich hab's gleich. Fou l'allemand là en plus. Er kann wieder los. Ouais, ça. On est à Rotterdam, hein, en vrai. Merci beaucoup, Vitriol Drinker. Ça fait bobo là. Beeilung, Kerz. Une seconde. C'est juste une mitraillette là. On peut pas se mettre en première. Oh, ça rigole, zéro en effet. Ah oui, c'est full pré-shot en plus. Ça a l'air super. On va réparer tranquillement. La rigole zéro, hein. Après c'est bien, vu qu'on joue pas beaucoup véhicules nous de notre côté. On va pouvoir vraiment entraîner le tank du coup. Je sais pas ce que vous en pensez sur ces premières impressions, mais en vrai. En vrai, c'est ouf. Hein. Le jeu est vraiment beau. Ah! Qui était le poteau? Sieht gut aus. Anton 1, dein Oberkommando. Schienen sind frei von Feind. Gute Arbeit, Anton 1. C'est parti. C'est fou quand même. Jawohl, commandant. De toute façon, c'est les boîtes de sardines, hein, les Sherman. Il y a tellement d'épopées par rapport au tigre contre les Sherman. Je ne saurais pas vous dire exactement les noms des commandants de chars. Mais genre pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un mec qui a fait un carnage. Genre il était tout seul dans son tigre avec son unité. Et genre il est allé sur une ligne où il y avait genre X Sherman avec camion infanterie, ce genre de choses là. Et ils ont win et il est reparti. Genre je crois qu'il a battu genre 7 Sherman à lui tout seul, tout en se déplaçant sur la colonne. Genre 3 camions, je sais pas combien de trucs il a fait. J'ai une MG coaxiale, probablement ouais. J'ai une MG coaxiale, oui, en effet. En fait, faut juste faire attention parce qu'on est quand même en mode difficile.
Et ça rigole zéro, hein, vous le savez. Donc là, on a quand même les Américains en face. Qu'on n'avait pas encore découvert sur le jeu, vu que c'est vraiment full anglais contre les Allemands. Je pensais vraiment à un ajout de compagnie. Dans le sens, bah, peut-être les Américains ou les Russes seraient ajoutés au jeu. Enfin, c'est vraiment beau, hein, en vrai. Hein. Là, on est quand même sur un truc assez impressionnant. Je me demande vraiment si on est sur Rotterdam. Mais non, on doit pas être à Rotterdam. Je sais pas. À part c'est à Rotterdam, c'est de l'allemand quoi. Point d'artillerie ennemi. En vrai, on se croirait un peu à Rotterdam. Hein. Je l'ai pas très bien vu où on était. Bon, non, qui est grave chaud, on va toujours à sortir sa tête. Ah, l'artillerie, faut faire attention du coup. L'immersion est vraiment parfaite en vrai. Michel Whiteman, c'est bon. Alles klar, wir können los. Ok. Essaye d'avancer. Ok. Anton 1, feindliche Panzerdivision versucht den Platz zu umstellen. Sofort angreifen und abwehren. Mein Gott, das ist eine Falle. Je vois un Américain avec une barre, je pète un plomb. Je vous le dis. J'essaie de regarder un peu là où je tire. J'envoie avec un seul avec une barre alors que ça n'a pas été jeté. Je descends du tank et je joue à la barre. Salut Fausti. Bonjour, bonjour. Boah, das Ding gefällt mir gar nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Soll ich ihn in die Luft jagen, Kommandant? Was ist das? C'est pas rouge. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah. Très bien. Juste dans une pub. Comment ça, juste dans une pub? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Comment ça, il y a juste... Je peux plus réparer ou quoi? Ah, ça va. Dans une pub au début d'une vidéo dans laquelle il y a des extraits de quelques personnes qui jouent, il y a Squeezie, Pogba et bam, à un moment il y a Juice. Ok, il y a des choses à casser là-bas. Je connais pas cette carte. Je connais pas.
Moi j'aimerais bien qu'ils intègrent des cartes comme ça. On a vu sur le tirailleur sénégalais, il y a des cartes, ça peut vraiment faire un truc trop bien. Ok, ça va. C'est le dernier. Alle verbliebenen Feindeinheiten. Rücken Sie zum Sammelpunkt vor und attackieren Sie alle Feindeinheiten, denen Sie begegnen. Okay. Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück. Herz. Préparer la colonne blindée ennemie. 160 points. Ok, bah c'est parti. Ah. On peut pas aller en première personne pour le moment, en tout cas. Ça doit être par là. Merci beaucoup Mani65 qui subprime, merci beaucoup. On a essayé de voir, on a un qui s'est reçu pour son 13ème mois. Bien le bonjour, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup pour ton soutien. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Très content de jouer à ce nouveau récit de guerre. Ça a l'air d'être par là-bas. Pas que je joue à World of Tanks. Il manque le son lui. Ils sont pas au courant les amis. Oui là les façades ça va tomber. Elle est vraiment bien cette carte. Hein. Qu'ils auraient dû rajouter. Je sais pas, on l'a pas encore testé. De toute façon, on ira la tester après. Ah bon, on sent bien l'occupation nazie là. Si allait pas y avoir un tank qui suivait. Parce que depuis tout à l'heure il y a des unités qui courent avec toujours un véhicule à l'arrière. Bringen Sie uns zur Brücke. Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen. Das ist Selbstmord. Wir werden alle drauf gehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Ach. Beruhig dich, Mann. Herr Gott nochmal. Alle. Ah oui, ça pue de ouf. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Der macht keinen Mucks mehr. Voll in Schwarze. Il y a des trucs qui m'arrivent dessus là, je sais même pas d'où ça vient. Wouhou, c'est chaud. Ah ben difficile, ça rigole pas, faut faire attention quand même. Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen. J'ai même pas au niveau supérieur en gros.
Bon après-midi à tous. Merci Max, c'est gentil. Merci pour la donation. Merci beaucoup. Des cœurs pour Max. Ok, nice, ça s'est cassé. Oh, yo, yo. So viele Herr im Himmel. So viele. Sie haben Panzer, aber wir haben einen Tiger. Oh, yo, 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 recule, recule, recule. Eh bah, ça n'est sorti là. Ah ah, ça me fait peut-être trop vite. Noch ein Treffer und das war's. Mais il y en a tellement. Ok. On a joué à la World of Tank là. On va réparer tranquille. Allez, c'est parti. J'ai pas de. Ah, j'ai pas de smoke. Suivez ces rails, c'est parti. Rejoignez la gare de triage de Chimek. Bon bah du coup on est à Chimek. Ah ça, ça sent le tir d'artillerie par contre. Les bombes. Ah, ah. On est pourchassé par Alpha Cast. Nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh ja, dort nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann. Der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann! Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Nein, 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 nein! Das gilt für jeden hier. Et là, le mec tire. Ah.
ist Hartmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Tu es un sorcier, Hartmann. Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Du coup, je disais. On avance. Sachant que le tigre, l'endroit où il était le plus vulnérable, c'était à l'arrière. Comment il a quand même un canon de 88 et les Sherman, c'était un peu les boîtes de sardines. Hein. Même les mecs qui étaient dedans, ils disaient que c'était ça. C'était un peu horrible. En vue de Chartig était vraiment très 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 puissant. C'était vraiment. C'était une autoroute en vrai, hein, du coup. Pauvre Hartmann. Ah, Alpha Cast. Chaque fois qu'on va voir un avion, il y aura Alpha Cast. Hier, il m'a appris un truc aussi, je savais pas du tout avec les avions. Podcast, il prend des photos avec les avions. Oui, il fait de la reconnaissance. Genre, il monte dans les airs, il fait piquer, il prend des photos. S'ils avaient eu 50 000 tigres. Puis on doit avancer 300 mètres. Ich weiß, dass es dir prägt, ja. Dauert aber eine Weile. Was ist mit dem Panzerknacker? Herz.
Bringen Sie Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Leur Tank s'appelle Stefan? Du bist verrückt, Peter! Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Apparez-vous du connard, on ne fait rien. Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch und Blut und Tod. Ah, d'accord. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann. Du bist sans, nous allons vulnérables à ses défauts. Ach. Ah, il y a un chargeur dans son truc. Il y avait un chargeur dans sa MP40. Toujours les... J'essaie de regarder un peu, hein. J'essaie de regarder les trucs, là. Je veux vraiment trouver une barre. Allez, discrétion, discrétion, comme d'habitude. Ils auraient mis une barre quelque part, il faut la trouver. C'est vraiment bien. Si je dois pas aller exploser d'abord le charme. Ah. On revient. Ah, les avions. Ah, déjà. C'est marrant d'entendre l'accent américain là. Il se passe quoi? Ah. Donc là on a complètement un homme. Ils ont fait un peu matraquer partout. Ok. Peter Matthias Müller. C'est chaud. On va essayer d'y aller tranquillement. À l'heure actuelle, l'équipage du Tigre 237 se remet Stefan. Se compose de 3 soldats, Müller commandant, Kurtz pilote. Et chez. Peut-être faut que je rush. Que je prenne les C4. Que je les foute sur lui. Ah, je crois que j'étais spot là. Ah, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut jouer là. Voilà en fait. Mais il y a des trucs partout. Il y a des lignes mitrailleuses partout là.
quoi là-bas? Y'a un mitrailleur là-bas? Tellement chaud en vrai là, cette mission. Les 4 spots pour les canons. Alors là, vous allez en avoir d'autres. Hein. Attendez, mais ça tient des fenêtres, mais il y a pas de. Ouais, de toute façon le canon, je peux le détruire aussi comme ça. Il y a pas de. Enfin, je crois. Utilisez le flak. Abattez les avions anti-char. Il arrive là. Ok. Ah, ce mec, c'est MacGyver, quoi. Seul contre le monde. Jetzt zurück zu Stefan. Et maintenant on retourne dans Stéphane. Ah oui. Donc le mec ok. Ah mais attends, mais du coup là comment je fais? Y 257. Ah il est là. Enfin on dirait. Ils sont venus me chercher. Esquio, merci beaucoup pour le resub et le 8ème mois à JousTV, merci. C'est gentil. Allez, on retourne dans Stéphane. C'est vrai que les mecs savent pas jouer sans moi, quoi. Oh, quel homme. Quel commandant. Ah, ce monstre, quoi. Au revoir. En Bretagne, juste. Par où c'est, par où? Allez, chérie. Non, là-bas. Elle a l'air quand même intéressante, cette carte. Genre, ça doit être. Ça aurait pu être une très bonne carte en vrai. En infanterie. Il a la confiance Müller, bien sûr. Et quand tu peux faire ce genre de choses, tu sais, t'as énormément de confiance après. Wie haben Sie Stefan repariert? Ah bah clairement le jeu. Aber das Funkgerät ist hinüber. La radio est morte. Bringen Sie uns zur vorgeschobenen Basis. Wir haben noch was zu erledigen. OK. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Ok, super. On va arrêter de faire ce genre de call aussi, ça serait vraiment cool. Détruire les documents secrets. Zeus! Il y a l'air d'y avoir des gens.
Ah. C'est pas par là qu'il faut passer. Comment ça? Ça doit être dans la ruelle. Alors. Et Thanos, merci beaucoup pour le 4e mois. Re-bienvenue. Merci beaucoup. Le temps passe vite quand on se détend devant ton stream, c'est gentil, merci. Ça fait plaisir. That too, right? Huh? You hear something? You hear something? Me décaler sur des jeunes là. C'est la guerre les gars. Peter Mueller n'est pas comme notre personnage anglais. Hein. On dirait que Peter Mueller c'est plus difficile. Peut-être parce qu'il est allemand en vrai. J'explique le fardeau des combats de blindés, général Heinz Guderian. Guderian. Non, c'était pas du tout ce que je voulais faire, ça. Ah, mais c'est bon. Ah. Ça a l'air beaucoup, déjà beaucoup plus intéressant, ça. Quoi? T'as pas envie, hein? Pardon? Mais y'a un peu. Y'a un problème là. Ok. Jouer ça. Je suis le médic. Un petit souci là. Ok, là ça tire dans le mur, alors je suis pas vraiment dans le mur, j'ai envie de vous dire. Ah. Firing Rocket Cover Army, j'ai eu un peu peur, je dois vous avouer. Ok, ça passe. Pas d'uniforme ça. Ah. Pour un mec là qui s'est mis une balle à la tête, c'est ça? Ah, les bruits des headshots sont vraiment bien. Autant je denke, das war's. Ah! Passe le truc là. Allez, on retourne dans le char. Regardez combien c'est. Il est beau. Regardez combien il est beau. Allez. Ouais.
Rassemblez-vous au QG Cathédrale. Cathédrale. Salut Nicolas. Faire un grand gros secret de ce conducteur. Je me demande vraiment ce que ça va donner la carte en grand multi là. Comme je vous dis, vu que j'ai pas l'habitude de jouer dans des chars et tout, plutôt en centrie, j'aimerais vraiment voir ce que ça donne. Bah ouais, je vais vraiment être content de jouer sur la carte en toi. Hop! Munitions, il y en a dans le tank en tout cas. Salut Bobby, bonjour. Un chien. Le chien, le chien. Qu'est-ce qui se passe? Merci Alex pour le resub et le deuxième mois. Bonsoir, je reçois mes jeux d'école, kiss kiss les types. Bisous à toi, merci.
jetzt die große Verteidigung. Wir sind allein. Hertmann, Alex, merci beaucoup, re-bienvenue à toi. Merci pour le sub. De plaisir, merci beaucoup. Salut Alpha Rico, bonjour. Du coup, Hertmann a été pendu. Eh ? Notre radio ne marche pas, du coup. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Schränken Sie die Position. Oh merde! You cannot win this fight. Für Deutschland! Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Pour l'Allemagne. Bah c'est mardi hein. Super. Treffer, aber die Panzerung hat gehalten. Ruhe, alle in Bewegung bleiben oder Deckung. Oui, il rigole zéro en vrai. Feindliche Panzer nähert sich. Voilà. Donc lui il a le droit de me toucher mais pas moi. Personne. Ziel getroffen. Ah. Comment je peux avoir celui-là? Est-ce que je peux passer par ici? On ne peut pas gagner. Mais Schroeder il est ouf. Schroeder est ouf. Schroeder c'est le canonnier. Il est fou l'endoctriné quoi. De temps dans cette zone. Wir haben's geschafft. Ok. Da sind noch mehr. Durchhalten. D'autres arrivent, courage. Feindlicher Panzer. Der Schuss ist abgeprallt. Scheiße. Scheiße. Ah. Un peu de dos là. Il a eu peur aussi l'américain. Il a dû dire merde, 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 je suis tout seul. Merde, il y a tellement. Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen! Cet énorme trou que je fais dans le blindage, je sais pas si vous voyez à chaque fois. Merde. Ce trou là. Il y a un char à aller chercher là-bas. Ah, pas plus.
Ah bon. Ah ça, ça pue ça. Feindlicher Panzer. Mais putain, il y en a des millions. Scheiße. Guter Schuss. Unsere Lenkung fällt gleich aus. Bordel de tank là. Gut, Kerz, legen Sie los. Ich arbeite dran. Bah c'est parti, on va réparer UTV et ensuite on est parti. Ich denke, wir sind startklar. À la guerre, il y avait autant d'obus dans les chats. Bah ça dépend pourquoi tu... Enfin, pour ce que tu partais, je crois. Mais le truc, c'est que plus t'avais d'obus, plus t'avais... Bah, si tu t'étais touché, bah ça faisait un peu boum, quoi. C'est surtout ça le problème, en fait. Mais il y avait deux couches de blindage de je sais plus combien de centimètres sur les tirs. Les Sherman, quand ils tiraient sur les tirs, ça rebondissait. Je sais pas ce qui se passe là. Tir d'artillerie. Les explosions. Le petit ralenti doit être pour le RTX. Lâché. Un joyeux bordel. Ah oui, de ouf. C'est un peu. On est un peu en semi-cinématique là. Regardez le bordel. Regardez tous les avions au-dessus. Die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Herrgott. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz!
Ouais. Parfait, ils ne sont pas des monstres, mais des humains. C'est ce qu'il y a de plus terrifiant chez eux. Et oui, les amis. Je pense que c'est ici que se clôt ce récit de guerre de Peter Mala et son escouade dans son char tigre. Bordel. C'est vraiment pas mal. Hein. On peut voir comment une endoctrine peut donner. Ah bah oui, mais clairement, quand vous avez quelqu'un qui vous bourrine le cerveau, ben à un certain moment tu ne penses que par ça en fait. Mais ouais, non, mais c'est vraiment très chouette histoire aussi de Peter Mueller, du coup. Très très beau fight, très très beau dog fight avec ce tigre. C'était vraiment pas mal. Et voilà, encore bah, tout simplement encore un solo, encore un récit terminé. 4 hein. Essais arrivés. Attendez. Je vais juste voir un truc. I was a good soldier. One among many. Firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms. Zeus! In countries that didn't belong to any of us. West map. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttle set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times, burning with hope. It illuminates a path through this wreckage. A path to somewhere better. Eh ben, quoi de mieux de clôturer cette vidéo YouTube hein, de ce dernier récit proposé par Battlefield 5 sur ce superbe épilogue qui n'était pas, n'avait pas du tout vu avant. Donc voilà. Bon, mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu, les amis. Et c'était encore un très beau récit, je trouve. Donc voilà. Gros bisous YouTube, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à repasser.